Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du flouz. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le flouz. Je vous entends courir. Quelle bonne nouvelle venez-vous me servir? J'apprécie à son prix votre haut dévouement. Parlez donc, parlez vite, n'attendez plus longtemps. Monsieur. Mon bon? Il se... Plaît-il? Il se retourne. Mais qui ça se retourne? Le marché. Le marché? Le marché. Vous n'êtes pas sérieux, ceci est impossible. La chute est là, monsieur, elle est irrésistible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes, l'immobilier s'écroule, nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti, et dans les formulaires gonflé les revenus, inventé les salaires. Or, les gueux sont fauchés. Ils n'ont plus un radis. Submergés d'échéances, ils deviennent faillis, endettés jusqu'au cou. Ils cessent de payer. Même vendre leur bien ne peut plus rembourser. Oh, reprenez-vous, mon cher, et gardez la raison. Considérez les charmes de la titrisation. De ces crédits pourris transformés en créances, nous sommes soulagés, et surtout des plurances. C'était bien là, d'ailleurs, le but de la manœuvre. Si belle innovation est un très grand chef-d'œuvre. Nous sommes dégagés de tout inconvénient. Nous n'avons plus le risque. Il est à d'autres gens. Tous ces investisseurs en étaient si voraces. Nous leur avons fourgué toute notre merdasse. Non. Il y a cependant... Il n'y a rien du tout. Nous sommes à l'abri. Les crédits sont au loin et aussi les faillis. Ailleurs, il est certain que d'autres font des pertes. Ce n'est pas notre affaire. N'ayez aucune alerte. Croyez-moi, il n'est pas une seule journée où je ne me réjouisse des traders se surpayer. Ce sont certainement de rudes imbéciles. En banque, cependant, ce sont les plus agiles. Affairés à construire ces produits biscornus, ils nous laissent sans tâche et les autres cocus. La vie est ainsi faite, c'est la vie des affaires. Il faut être malin ou bien prendre un autre air. Mais il y a cependant... Oh, savez-vous, mon ami, que vous êtes pesant, vos il y a sont lourds comme vos cependant. À la fin, je vous dis que tout est sous contrôle. Soyez assez aimable et changez-moi ce rôle. Mais je le voudrais tant! Et tant, je ne le puis! Il entre dans ma tâche d'annoncer les soucis. Ses créances pourries, il doit vous l'apparaître par la porte sortie, rentre par la fenêtre. Les crédits titrisés sont actifs négociables. Ils s'en mangent au marché comme foin à l'étable. Notre banque, pauvresse, chose à peine, monsieur, s'en est gavé si bien, s'en est mis jusqu'aux yeux, que nous voilà chargés près de l'indigestion. Un peu comme un égout qui sort de la maison mais fait soudain un coude et revient au WC. Nous baignons dans la crotte. Nous sommes maculés. Mais je suis abasourdi et ma vision chancelle. Je vous parle de banque, vous répondez poubelle. Mais à quoi rimaient donc ces crédits titrisés si c'était pour reprendre les plus faisandés? Le fait est là, pourtant je ne l'explique pas. Nos gens ont dû céder à leurs premiers appâts. Et voilà votre banque une fosse à purin. Passablement remplie. À rabord, je le crains. Oh mon bon, je défaille. Je ne peux me résoudre à tout à fait penser que nous prenons la foudre. Non, mais je voudrais tant vous suivre en votre métaphore, en vos images hardies et vos mots sémaphores, mais je n'ai que vision de canalisation. Vous parlez de la foudre et moi d'émanation. Mais il nous faut, monsieur, abandonner les tropes. C'est toute la maison qui s'apprête à faire flop. Les pertes qui s'annoncent seront phénoménales. Sans phare, je vous le dis, ça fera très très mal. Vous m'en avez trop dit. Ou alors pas assez. De combien plongeons-nous?
Nos experts sont à l'œuvre et refont les calculs. Mais en plus de la perte, je crains le ridicule. Combien nous en avions, combien nous en perdons, personne ne parvient à faire l'addition. Bon, me voilà sous le choc, mais pas encore gâteux. Censément, des banquiers savent faire deux et deux. Nous sommes réputés spécialistes des chiffres. Harceler les comptables jusqu'au dernier sous-fifre. C'est que monsieur, la modernité... Mais quoi, la modernité? L'innovation financière... Mais qu'a-t-elle donc? Bah, ces produits structurés sont bien trop compliqués. Plus personne ne sait comment les évaluer. Mais nous avons pourtant su annoncer des profits. Comment comptions-nous donc? N'avions-nous pas des prix? C'était ceux du marché, mais il était effondré. Oh. Plus une transaction, plus un prix annoncé. Je voudrais ajouter que monsieur me permette que ceci est la faute du mark-to-market. Avant-hier, vous vantâtes ces normes comptables. Oh, je n'ai jamais rien fait que de très raisonnable. Mais néanmoins, monsieur, nous sommes à la peine. Les actifs avariés sont jetés à la benne sans qu'on en puisse dire la valeur à la casse. Nos comptables s'épuisent et sont à la ramasse. Car le mark-to-market supposait le marché. Le marché en carafe, et nous sommes paumés. Nous avons tous nos comptes menacés de carnage, mais sans un prix qui vaille, nageons en plein potage. La presse est intraitable. Oh. Elle est incorruptible. Je sais de source sûre que je tiens mon fusible. Le bruit vient de partout des salles de marché qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce trader en est le rétameur et que par lui, la banque passe un sale quart d'heure. J'admire la finance, mais veux la vérité. C'est un beau fait divers, je m'en vais l'épingler. Ainsi le monde peut tout entier basculer et il suffit d'un jour pour nous voir trépasser. On me tient à l'écart et je découvre tout. Pourriez-vous m'affranchir au moins d'un petit bout? J'allais m'y apprêter, mais la dose est chargée et j'y vais doucement pour vous l'administrer. Car par un sort adverse, les mauvaises nouvelles viennent toutes ensemble et de moins en moins belles. J'ai à peine le temps de toutes vous les dire que sitôt une dite en arrive, une pire. La presse dit le vrai. Un gouffre s'est ouvert. Pas d'Irak financier, Colorado bancaire. Il a suffi d'un seul, ce trader de malheur, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Quel est ce triste sire? A-t-il bien de chez nous? Doit-on à un seul homme de nous mettre à genoux? Pouvez-vous au moins dire avec quelle combine vous nous avez porté aussi près de la ruine? Oh ben, j'ai mal pricé mon swap et mon spill à louer. J'étais un peu longue et j'aurais dû sortir. Me direz-vous, monsieur, quel est cet Algonquin? C'est un serial loser confessé ce matin. Ce trader. Pensez bien blouser le back-office. Nous faisons l'inventaire de tous ces maléfices. Ah, ça, mais vous aussi, vous parlez ce langage. Oh, le sabir des traders nourrit leur babillage. Vous devriez l'apprendre, ça n'est pas difficile. À peine quelques heures de méthode assimile. C'est même encore trop riche. Il suffit de bien moins de quelques mots d'anglais francisés à la main. Oh, vous les deux, du gain, et pas l'académie. Il faut bien avouer qu'on a été servi. Ça n'est plus une langue, mais une soupe horrible. La seule que ces gens ont trouvée comestible. La dégénérescence a suivi le profit. La langue est corrompue et le verbe périt. Oui, ce n'est pas ainsi qu'on parle à l'ENA. Mais revenez à vous, le sujet n'est pas là. Votre amour de la langue est bien hors de propos. L'urgence du moment, c'est celle du grand saut. Peut-on enfin savoir combien se demeurait de bel argent bancaire à volatiliser? Curieusement, on le peut. Tout n'est-on pas perdu? C'est manière de voir, ou plutôt de parler, car notre ami Globiche a beaucoup bazar. Le résultat des courses! Ça va faire mal en bourse. Oh. Monsieur
que le directeur. Oh, quoi? Il me vient du midi. Ne vous inquiétez pas, je peux tout arranger. Pour être de la PREF, je reste responsable. Je suis un vrai moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter jusqu'à l'enfermement. Ainsi est rétablie l'harmonie virginale. Union du saint marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien partout quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque fait résister au cadavre. J'écrirai un ouvrage fort bien documenté. La thèse en sera forte, le propos assuré. J'y dirai en substance que le marché est roi, que la banque le fer, que son crédit fait foi et que l'harmonie règne à quelque fâcheux prix. Ah, sans une presse libre, le monde disparaît. Monsieur, vous nous sauvez, nous et nos actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. Ce que vous dites est juste et la banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposé. Oh, et ce trader, je le veux corde au cou, menotte au poignet, dans le box accusé et promis au gibet, désigné à la foule. Ce quasi-terroriste, un saboteur notoire, une tombe trotskiste. Monsieur, je vous l'ai dit, modérez vos transports, nous ne sommes pas prêts d'être rentrés au port. Les subprimes en folie, plus un trader timbré, et c'est toute la banque qui commence à tanguer. Nos fonds propres s'étiolent, le cash flow s'évapore. Un autre coup pareil et nous serons bien morts. La crapule exhibée pour faire diversion ne pourra empêcher notre dissolution. Ma banque, ma vie, mon œuvre, tout va donc y passer. Oh, parachute doré, où est donc ta poignée? N'ai-je pourtant tout fait selon la profession? N'ai-je, selon tous ces usages, en suivant ces raisons, je suis allée à Londres, épouser la City, recruter à prix d'or de bizarres pitis, des traders allumés ou des brokers fêlés, des gens mal embouchés mais qui rapportent tant, plutôt des charretiers que de trop courtes dents. Nous nous sommes voués à la modernité. Les guichets sont trop ternes. J'ai choisi les marchés. J'ai laissé les agences vivoter, décrépites et trouver la vraie vie en allant à Wall Street. CDO, CDS, j'ai vraiment tout appris. Et même si au fond je n'y ai rien compris, tous mes boys étaient là pour comprendre à ma place. Ces garçons, croyez-moi, sont de fameux rapaces. J'ai beaucoup de tendresse pour leurs amusements. Bonus, voiture, filles, ce sont mes chenapans. Souvent, de bon matin, la narine blanchit. De bon pied et bon oeil, je les vois repartir. J'ai aimé cette vie et ne veux la quitter. Mes petits, vous et moi, allons persévérer. La finance nous donne bien plus que de l'argent. Au marché, nous devons de vivre intensément. C'est un monde et un genre, un style d'existence. La race des seigneurs est notre appartenance. Et je laisserai faire que tout ça se perdit par nos amis. Mes amis, nous vivons le Big One, le grand retournement. Nous aurons tous, je crois, notre part de tourment. Nous voilà embarqués, la cohésion s'impose. Serrons vite les rangs avant que tout n'explose. C'en est donc fait de nous. Nous allons tous périr. Ruons-nous au canot, aux retraites chapeaux. Mes amis,
Mes amis, ne cédons pas de suite à la résignation au désir de la fuite. J'ai l'éclair de génie. J'ai la révélation. Il est hors de question que jamais nous mourions. Mais avez-vous vu la Vierge? Ou bien ses angelots? Sortez-vous de la grotte? Avez-vous bu de l'eau? Ou quelque autre produit qui vous fait délirer? Cher ami, attention, attention au cachet frelaté. Il y a des substances réservées aux traders. N'y touchez pas, vous dis-je. Surtout, laissez-les leur. Moi, je vous redis, nous sommes immortels. Abîme de la chute et déraison cruelle. Mais écoutez-moi donc. Nous ne pouvons mourir, car moi, j'en connais un pour qui notre trépas annoncerait le sien. Cet être très puissant ne laissera pas faire, car de nos intérêts, les siens sont solidaires. Il a tous les pouvoirs, c'est le sauveur suprême, et notre rédemption l'a pour unique emblème. De la toute-puissance, il est le paradigme. Il a vu la lumière, il parle par énigme. Bon, nous direz-vous, monsieur, à qui donc vous pensez, de qui viendra le geste de nous tous sauver? Quel est cet être hors norme, ce titan débonnaire? À qui donc devrons-nous cet acte salutaire? Allons, messieurs, réfléchissez, ouvrez les yeux, regardez, vous ne connaissez que lui. Mais lui qui? Oh! Comment tourne le monde? Va-t-il correctement pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection? Le pays doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France et l'univers entier, que mon règne de soi tend à l'illimité. Donnez-moi des nouvelles. Comment va la planète? Forcément pour le mieux quand je suis à sa tête. Monsieur le Président, le monde est chancelant. Vous vantâtes l'argent, promutes la finance de vos valeurs sacrées. Voyez la déchéance. Mais qui me parle ainsi? Et quel est ce manant qui néglige mes titres et les mots que j'attends? Majesté, Excellence, votre Altesse et Hauteur, je ne suis qu'un débutant. Ne me tenez rigueur. Avec le respect dû à votre élévation, je veux dire, ô grandeur, quelques imperfections du monde comme il tourne, ou sous votre gouverne, des régions néanmoins semblent morales en berne. Mais comment se peut-il? Et comment ose-t-elle? N'ai-je pas ménagé l'harmonie éternelle? J'en connais les rouages, les secrets, les ressorts, tout déréglementé. Et ceci est mon fort. Il faut avoir confiance en l'offre et la demande. Ces choses d'elles-mêmes, sans aucune commande, s'agissent toutes seules, œuvrant pour le meilleur. C'est comme une machine programmée au bonheur. Un automate à faire de la prospérité. Je ne cesse de dire qu'il nous faut nous y livrer, ajoutez-y parfois quelques innovations, le d'ailleurs, le marché a de l'imagination. Il est à lui tout seul comme une intelligence. Disons même le mot. C'est une providence. Je passe ma campagne à en dire les charmes. Mes idées sont allées à enrichir ses armes.
Souvenez-vous de Tell, tout à fait formidable. Une belle hypothèque appelée rechargeable. Permettre à tous les gueux d'apporter leur maison comme collatéral de leur consommation. Si l'immobilier monte, ils peuvent emprunter. Et ainsi, davantage encore consommer. Ben, sans doute, la maison se retrouve gagée. Ben, il suffira de vendre, et puis de rembourser. Bon, j'emploie pour en parler le ton le plus banal, mais cette idée vraiment était des plus géniales. C'est l'administration qui retient les décrets, et tarde tellement qu'elle est comme à l'arrêt. Qu'on fouette les ardeurs, que l'on pousse les feux, j'aurai cette réforme, car j'en ai fait le vœu. Monsieur le Président. Oui. C'est presque l'agonie. J'ose à peine vous dire, mais nous sommes faillis. Faillis? Faillis, lessivés, essorés. Nous sommes à la rue, nous avons tout perdu. Et l'argent du public? Les dépôts monétaires? Vous deviez en être avisé gestionnaire. Ne me dites pas que... Monsieur le Président, le drame est si sérieux qu'ils seront bientôt tous à l'état vaporeux. Disparition brutale des moyens de paiement. Toute l'économie prend un tour amusant. Retour au jardinet, ou bien à la cueillette. Vive les joies du troc et celles de la diète. Nous payerons en fleurs, ou bien avec des glands. Messieurs les banquiers, ce n'est pas dit pour vous, ce serait déplaisant. En tout cas, mes bravos, magnifique avancée, le retour à la terre, il fallait y penser. Est-ce cela qu'on nomme nouvelle économie? N'hésitez surtout pas à développer, je vous prie, en revenir au foin ou bien à la luzerne, quel audacieux projet et du dernier moderne. Cette modernité dont vous étiez si fiers quand vous nous ramenez droit à l'âge de pierre. Et vous, monsieur les banquiers, qu'avez-vous à nous dire? Vous avez intérêt à faire une réponse pour éviter l'opprobre où la banque s'enfonce. Avez-vous une idée? Voyez-vous une voie? Ou bien votre bêtise est-elle un oméga? Je vous vois demeurer stupéfaits, interdits. Il me semble parler à quelques pissenlits. Qui me dira comment enrayer le désastre? Monderai-je un sorcier ou bien un médicastre? Cherchez-vous un peu d'air? Ou bien à faire un son? Retrouveriez-vous un semblant d'expression? Vous remuez la bouche? Quelques mots vous sortez? Vous avez une idée? Une pensée à dire? Oh, on le croyait poisson et c'était une vache. La bêtise chez vous ne fait jamais relâche. Monsieur! Votre Altesse! Votre Altesse! Il veut dire Monsieur le Président. Il veut dire surtout que l'idée du devoir est celle de l'éthique, qui est pour nous un phare. Marisons-la, maintenant. Vous devenez obscène. À ce degré, d'ailleurs, c'en est un phénomène. Je préférais encore la soupe à l'OIS. Taisez-vous donc, séant, ou bien je vous agresse. Taisez-vous, mais parlez! Mais je crois... Votre hauteur, que messieurs les banquiers ont un frémissement, le début d'une idée. Si votre idée est simple et son principe est subtil, laissez-moi, Votre Altesse, en démêler les fils. Ce sont belles structures, nos nouvelles entités, audacieux véhicules pour nous refinancer. Oh, par nous voulons dire la profession bancaire. Nos petites personnes sont bien sûr secondaires. Oui, épargnez-moi, messieurs, votre sale migondie. Je vais finir moi-même, je crois que j'ai compris. En un mot, comment on sent vous être désossé? Qu'on vous sorte de là, c'est ça que vous voulez. On, bien sûr, c'est l'État. Ici, l'État, c'est moi. Aussi, dans ce bureau, votre galimatien, vos genoux tout tremblants, vos propos décousus depuis la première heure n'ont autre chose en vue que d'appeler à l'aide, de quémander secours, de pleurnicher misère attendant que j'accours, et vous voilà, clochard, tendant le galurin. Décidément, messieurs, vous ne doutez de rien. Ah, le chapeau est profond. Il a de larges bords.
Et qui pour le remplir? Mais voyons, le trésor. Ce petit résumé sera-t-il suffisant? De votre riche idée, ai-je bien mis l'accent? En fait, excellence, comment dire, je cherche mes mots. Pour être bien complet, il faudrait ajouter... Qu'après tous vos clients, c'est moi que vous braquez. Allez, dehors! Dehors! Une conjuration, mais celle des baltringues. Comment ont-ils bien pu prendre pareil valdin? Plus que des imbéciles, je dis qu'ils sont des traîtres. C'est l'idée du marché. Ils vont la compromettre. Et le capitalisme est-il si populaire qu'il faille prêter main à tous les incendiaires? Ce système est le bon. C'est même le meilleur. Je les empêcherai d'en être fossoyeurs. S'il est tiré d'affaire, c'est sauver le système, et surtout moi avec. Pensons-y tout de même. Et il n'y aurait pas plus sot que de tergiverser. Une crise de plus? Je m'en vais la régler. Ça donnait à l'argent et des choses du monde celle que je défends contre toutes les frondes. Si pour en rétablir la possibilité, il faut suspendre un peu les règles du marché, j'y suis tout à fait prêt. J'en accepte l'augure. L'essentiel étant bien qu'à nouveau ça carbure. Que dites-vous, messieurs, de ma philosophie? Oh, quelle est votre hauteur, sans aucun contredit. Au moment où il semble que le monde chancelle, ce n'est pas du côté d'Obama ou Merkel que viendront la lumière et le jaillissement. Ce sera de la France et de son président. Votre analyse est bonne. Elle est sobre. Elle est claire. Vous voyez l'essentiel, maîtrisez les matières. J'ai donc tracé la voie. Vous poserez l'asphalte. Mettons-nous au travail sans connaître de halte. Je vous laisse le soin de pourvoir aux détails. J'ai l'idée du tricot et vous ferez la maille. Il dit quoi? Il dit que de vos vues, nous sommes éclairés et que d'un grand triomphe, vous êtes assurés. Il dit aussi, je crois, qu'il veut bientôt partir. Nous verrons ça plus tard. Monsieur le gouverneur de la Banque Centrale, aurons-nous la faveur? Votre parfait soutien, pouvons-nous escompter? Et votre intervention? Et vos facilités? Oh, bah t'es marrant, toi! J'ai déjà pourvu, nous n'avons pas le choix. Différer cette action, bah nous ne pouvions pas. Tous ces jolis messieurs allaient boire la tasse. À ne pas se prêter, faisaient leur impasse. Et bien sûr, les voilà, rampant à mon guichet. J'ai dû ouvrir en grand les plus gros robinets. Si la liquidité tout à coup s'évapore, seule ma banque peut les sauver de quoi déjà? De la mort. Les marchés congelés et l'argent se refuse. La pénurie s'étend et partout se diffuse. Nulle part on trouve plus le moindre prêteur. Il ne reste que moi. Quand le monde a pris peur. Ah bah vous les verriez alors comme ils se précipitent, tous à moitié mourants et que je les ressuscite. J'assiste à leur ruée, elle est indescriptible. Mort de soif et pis de faim, trouvant incomestible. Par bonheur, la monnaie, c'est bien moi qui l'aimais. En matière d'argent, eh bah je suis le paraclet. Le paraquoi? C'est une sorte de sauveur. Il me la baille belle avec ses grands airs. Je lui ferai passer ce goût pour le mystère. Il apprendra bien vite qu'à propos de salut, il n'y a pas concurrence, ou bien très distordu. S'il faut sauver le monde, et par un truc ou pas, je suis monothéiste et le seul dieu, c'est moi. Allons le renvoyer à son petit guichet à compter les gros sous pour allonger les prêts. Monsieur le gouverneur, je vous laisse à vos ouailles. Ayez donc grand soin d'arranger les détails. Les détails, c'est son truc. Ou plutôt, ça ne l'est pas. À lui, les plans grandioses et à nous, le caca. Du tout début, je vois que la crise bancaire se finira au seau et à la serpillière. Ne vous y trompez pas. C'est à nous que revient de la passer partout et surtout dans les coins. Car nos amis banquiers n'ont pas pleuré les doses. Ils se sont...